Et puis il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est que Mbappé a raté sa double confrontation. Moi je veux bien qu'on parle de Luis Enrique, qu'on parle de Dembélé, qu'on parle de la défense, le mauvais marquage, la mauvaise Donnarumma sort pas, tout ce qu'on veut. Regardez les matchs que fait Vinicius avec le Real. Regardez comment Manchester City était encore dans la compétition, les matchs que faisait De Bruyne, que faisait Foden. Regardez, on va pas le dédouaner. Ah, non, mais... Je suis désolé, Mbappé est passé à côté de sa double confrontation. Non, mais évidemment. Par contre, Naïm, on peut pas comparer ce que font City et le Real avec le PSG. Je suis pas en train de comparer ce que font City, le Real, le PSG. Je suis juste en train de comparer la prestation individuelle des stars de l'équipe. Ça, ok, mais c'est le problème de cette équipe, encore une fois, qui n'a pas de marge et qui se retrouve en fait face à une équipe qui est mais juste été Cédric, un peu plus ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai, mais qu'est-ce que tu constates avec le Real? Le Real n'a pas tellement de marge non plus. Manchester City n'a pas tellement de marge en Première Ligue. En Première Ligue, en tout cas, ils ont autre chose. Ils ont quelque chose de plus cohérent. C'est un peu plus facile, je pense, pour les joueurs dominants de. Mais après, je suis d'accord. Il n'a pas répondu présent sur à les. À ce moment-là, matchs. Quand on parlera du Ballon d'Or, on parlera pas de Mbappé. On ne mettra pas en concurrence avec les autres. Cédric, au point, sur les statistiques, quand on entend les statistiques, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Il y a eu 30 tirs de la part de Paris. Ça paraît à la fois beaucoup pour une équipe qui n'a pas été si dominante. C'est presque étonnant, la statistique. Le décompte des tirs, c'est même si tu tires dans la terre et que le ballon fait 3 mètres en roulant à 2 à l'heure, c'est considéré comme un tir. Cédric. Bon, après, il y a eu aussi 4 fois la barre. Quand même. Voilà, 4 fois. C'est vrai. Mais les poteaux étaient les adversaires du PSG. Ils n'ont pas eu de réussite, mais c'est le truc, en fait. C'est difficile d'analyser ces matchs-là aussi. Il faut la provoquer, la réussite. Parce que, voilà, il y a ça, c'est vrai. Mais il y a ce côté quand même entre 12 équipes qui sont finalement pas très, enfin je veux dire en termes de niveau intrinsèque c'est à peu près la même chose, même si effectivement il y avait plus de talent peut-être sur le papier côté parisien, mais c'est ce genre de match qui peut basculer avec le poteau de Zaïre Emery, peut-être que derrière effectivement le match change, mais il faut les mettre ces ballons, il faut les mettre. Là ça n'a pas tourné du tout du côté parisien, là peut-être la réussite qu'ils ont eu au tour précédent, donc il y a eu des erreurs que le Borussia n'a pas fait. Mais c'était donc, quand même à l'aller comme au retour de Ludovic. On a vu pratiquement la même chose. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que sur les deux matchs, le meilleur a gagné. Et le meilleur a gagné deux fois. Donc quand tu marques zéro but... C'est un peu irritant d'entendre certains qui disent le PSG était meilleur, mais c'est Borussia qui a gagné. Arrêtons, il y a certains commentaires. Même si c'est vrai que quand on voit les joueurs sur le papier, le groupe, le budget, le truc, etc., on peut penser que le Paris Saint-Germain est meilleur que Dortmund. Mais sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vu. Deux fois, on a vu une équipe qui était mieux organisée, qui était mieux disciplinée, qui avait un vrai collectif avec des joueurs qui étaient au rendez-vous et pas des joueurs qui ont complètement déjoué sur les deux matchs. Et à chaque fois, il y a eu un but, il y a eu des erreurs, c'est vrai, d'un côté et pas de l'autre. Et finalement, Edin Terzic, face au génie de Luis Enrique, s'en est quand même bien sorti. C'est surtout qu'en fait, on a une équipe dont on comprend ce que fait l'entraîneur et une équipe dont on ne comprend pas. Dortmund, ils ont rien inventé cette saison en matière de football. C'est une équipe qui a deux, trois garçons qui vont très vite sur les côtés. Donc, ils jouent bloc bas, ils défendent bien, puis ils les lancent en contre, et puis, ils font ce qu'ils peuvent devant avec un attaquant qui est loin d'être un génie du foot, et il l'a montré sur cette double confrontation, Füllkrug, mais il met la tête, il met le pied, ils font ce qu'ils peuvent. Bon. Giroud, c'est quand même très bon, en tout cas. C'est l'équipe finaliste ce soir. C'est une équipe qui le mérite, mais il n'invente rien en matière de football. Moi, je vais pas vous expliquer que c'est un football extraordinaire, chatoyant, machin. C'est un football rudimentaire, efficace, Dortmund. En fait, ils sont efficaces là où le PSG ne l'est pas, parce qu'on ne comprend pas ce que fait Luis Enrique, où il fait une composition d'équipe au match aller sans numéro 9 alors qu'il aurait fallu. Il le met au match retour alors qu'au bout de 10 minutes, ils ont arrêté de jouer avec lui. Le PSG a systématiquement joué à l'inverse de ce qu'il aurait dû faire, contre ses armes. Ce qu'a pas fait Dortmund. Dortmund a été meilleur, bravo, c'est une surprise. Moi, Je ne vais pas vous dire, je suis avec Dortmund. Même au mois de décembre, parce qu'il se qualifie avec le PSG en poule, si vous me dites que Dortmund va en finale de Ligue des Champions, je vous dis non, à mon avis, ils y vont pas. Mais s'ils l'ont mérité. Surtout qu'on répète beaucoup qu'ils sont cinquièmes de la Bundesliga, mais on avait remarqué quand même qu'ils ont lâché depuis un certain temps. Et encore
ce week-end, ils avaient mis une équipe de remplaçants qui a gagné 10 changements. Sur le score de 5-1, 10 changements. Et le PSG n'a pas joué au cours du week-end. Mais surtout, Cédric, dites-nous au moins, après on va passer au Paris Saint-Germain, tout le monde a envie d'en parler, mais cette équipe du Borussia Dortmund, il y a de bons joueurs, on était en train de dire. On pense évidemment à Adeyemi, qui est un de ceux qu'on voit le plus sur le côté gauche, mais évidemment, il y en a d'autres. Il y a eu des joueurs, qui exactement Brand qui a fait un match dans la justesse de choix, dans la justesse technique. C'est un peu le contraste avec le PSG. Naïm parlait d'une équipe où on comprend pas ce qu'ils font. Effectivement, à Dortmund, on a l'impression, en tout cas, que tout est cohérent, et c'est-à-dire que les joueurs sont utilisés pour leur qualité, ils savent que ils vont pas dominer le match pendant 90 minutes, mais on met des joueurs pour essayer d'exploiter les failles de l'adversaire, en l'occurrence Adeyemi, en l'occurrence Sancho, et Brandt au milieu qui est capable d'écarter le jeu, Sabitzer, Can qui sont là pour densifier le milieu, pour aller mettre, pour faire des fautes quand il faut, après, et la défense finalement n'a pas vraiment souffert. Schlotterbeck, Hummels, on se disait qu'ils allaient souffrir face aux Parisiens, ils ont joué assez reculé. Finalement Hummels, il a joué un petit peu dans un fauteuil pendant ces deux fois 90 minutes, quoi. Et il a marqué. Le Paris Saint-Germain joue selon leurs disciples Luis Enrique, et que c'est un peu normal, et on lui a tressé beaucoup de je réponds à ta laurier. Question, c'est-à-dire que ils jouent à leur rythme, c'est-à-dire que ils ont le ballon. Ils jouent à la baballe en attendant de créer des décalages et de faire des différences. Mais ils jouent au rythme imposé par Luis Enrique. On a vu l'Espagne dans la dernière Coupe du Monde jouer exactement de la même manière. C'est vrai qu'on a l'impression à certains moments de match de handball. Et là où on peut avoir des regrets, c'est que quand le Paris Saint-Germain encaisse un but, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'on pouvait faire plus, on pouvait attendre plus. Mais les joueurs, ils sont conditionnés par l'entraîneur. J'aurais bien qu'on comprenne ça, parce que c'est vrai qu'on peut... ça a fonctionné à Barcelone. En les regardant, parce que peut-être qu'ils étaient à 11 contre 10, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que sur la campagne européenne, quand on fera le bilan, en fait, c'est extrêmement moyen ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Oui, d'ailleurs, on le disait avec Cédric de Oliveira en première partie. 5 défaites en 11 matchs. Donc c'est extrêmement moyen le bilan. Avec des défaites humiliantes à Newcastle, au Milan, où il n'y avait rien à dire. Finalement, ils ont fait un grand match à Barcelone, mais le reste est extrêmement moyen, et un bon match aussi à la Real Sociedad. Et ils ont perdu deux fois à domicile. Avec les supporters, oui. Mais sinon, c'était très moyen, donc voilà. On n'a jamais été en mesure cette année de comprendre quel était le fond de l'attaque du PSG. Au match aller, il fallait jouer avec un 9. L'élimination, tu la perds pas là parce que tu prends un but. En fait, t'es éliminé au match aller. Bon, quand t'es mené 1-0, tu as besoin de jouer avec un numéro 9 au match aller, tu joues pas avec. Au match retour, tu alignes un numéro 9, tu remets Mbappé à gauche, le numéro 9, ils vont l'utiliser 10 minutes. Allez, un quart d'heure, je vais être gentil. Après, il repart de bloc bas, le mec, tu le vois plus. Vitinha, qui est le meilleur joueur parisien cette saison, au lieu de se retrouver aux abords de la surface comme un vrai numéro 10 qu'il est en réalité, il se retrouve quasiment dans l'eau centrale comme un numéro 6, avec en plus un Zaïre Emery qui passe complètement à côté de sa deuxième partie de saison. Depuis des semaines. Donc voilà, donc c'est vraiment, le PSG n'a pas été bon globalement ni à l'aller ni au retour. Kylian Mbappé, les amis, il faut qu'on en parle, puisque ce garçon prétend être à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Et lorsque tu as la table de Messi et Cristiano Ronaldo, tu dois beaucoup en faire mieux. On va en parler de lui dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, si c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, lorsque tu prétends être un jeu de classe mondiale, tu ne peux pas nous pondre de telles performances. Face au Barça, aller comme le retour, il a été inexistant. Certes, au match retour face au Barça, il met un doublé. Mais pour moi, ce doublé, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque dans le jeu, il n'était pas bon. Il n'était pas bon dans le jeu, les amis. Il marque un penalty et un but un peu chanceux. Dans un premier temps, il tire, le gardien arrête, un peu de cafouillage dans la foulée, il marque le but. Donc, il claque un doublé face au Barça, un peu de manière hasardeuse. Au Borussia Dortmund, dans les deux matchs, il a été inexistant. Il a été inexistant, les amis. Lorsque tu t'appelles Kylian Mbappé, c'est insuffisant. C'est insuffisant, les amis. Et ça ne date pas de maintenant. Face à l'Allemagne, rappelez-vous, souvenez-vous, face à l'Allemagne,
l'équipe de France jouait face à l'Allemagne, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Et là, on nous a fait comprendre que non, c'est un match amical. Lorsque on va arriver dans les vraies échéances, il va se transcender. Sauf que ça a perduré. Face au Chili, ce fut toujours le cas. Ce fut toujours le cas. Il n'a pas été bon. On arrive face au Barça au match aller, il n'est pas bon. Au match retour, il n'est pas bon dans le jeu, mais il a quand même doublé. Les gens retiennent seulement le doublé. Face au Borussia Dortmund, aller comme le retour, il n'est pas bon. Ce garçon-là, moi je pense que depuis qu'il a sorti cette phrase, est-ce que vous voyez un garçon perturbé? Cette phrase-là s'est retournée contre lui. Cette phrase-là, pour moi, s'est retournée contre lui, les amis. Dans le foot, on dit il faut être humble. Il faut être humble lorsque tu as un peu l'ego, lorsque tu peux un peu au-delà, ça te retombe dessus. Ça te retombe dessus. Et tout le monde commence à sortir cette phrase-là. Est-ce que vous voyez un mec perturbé? Est-ce que vous voyez un garçon perturbé? Kylian Mbappé, les amis, pour moi, il est très loin des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Moi, je ne pense même pas qu'il est au-dessus de Thierry Henry. Hein. Moi, je ne pense pas que Kylian Mbappé, pour moi, il n'est pas au-dessus de Thierry Henry. Il n'est pas au-dessus de Thierry Henry. Ce que Thierry Henry a fait là, en Angleterre, à Arsenal, c'est un monstre. Thierry Henry, c'est un monstre à Arsenal. Thierry Henry. Ce qu'il faisait en Premier League là. Et la Premier League, ce n'est pas la Ligue 1. La Premier League, ce n'est pas la Ligue 1. Donc pour moi, Kylian Mbappé n'est pas au niveau. Il n'est pas encore au niveau d'un Thierry Henry. Je ne parle même pas des Zidane et Platini. Là-bas encore, c'est notre level. C'est notre level, les amis. Les Zidane et Platini, pour moi, c'est notre level. Sans compter les Messi, Cristiano Ronaldo. Bref. Pour moi, il est encore très très loin. Très très loin. Il n'a que 25 ans. Hein. Il n'a que 25 ans. Je n'arrive pas à comprendre comment il n'arrive pas à progresser. Je n'arrive pas à comprendre comment il n'arrive pas à progresser, Kylian Mbappé. Pourtant, 25 ans, c'est l'âge de l'apogée, c'est l'âge où tu as de l'expérience, du vécu. Mais il est en train de régresser. Kylian régresse. Il est en train de régresser. Je ne sais pas si c'est dû à son futur transfert au Real Madrid. Je n'en sais absolument rien. Mais Kylian Mbappé, actuellement, il est moins bien. Et ça commence déjà à perdurer. Oui, tu peux avoir un coup de moins bien, un, deux matchs. Mais lorsque ça commence à perdurer, pour moi, il y a un souci. Pour moi, il y a clairement un souci. Kylian Mbappé, il n'est pas dans son élément. Il n'est pas dans son élément. Donc, les gars, pour moi, il n'est pas à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Il n'est pas à la table de Thierry Henry. Il n'est pas à la table de Zinedine Zidane. Il n'est pas à la table de Platini. Il n'est pas à la table de Samuel Eto'o. Il n'est pas à la table de Drogba. Tous ces légendes-là, pour moi, il a encore un cran en dessous. Il a encore un cran en dessous. Ce n'est pas un mec capable de te faire gagner la RDC. Souvenez-vous, Drogba. Drogba, il a quasiment fait gagner la RDC avec Chelsea, hein, en 2012. Il a fait gagner la RDC à Chelsea en 2012. Il était monstrueux. Il était monstrueux en 2012. Souvenez-vous le match, la finale face au Bayern de Munich. Il était monstrueux. Donc, moi, je ne vois pas un Kylian capable de porter le PSG face au Barça inexistant, face à Dortmund inexistant. Et c'est lui qui a mis, entre guillemets, les Messi et Neymar à la porte. On voulait bâtir un projet autour de lui. Mais quand on veut bâtir un projet autour de lui, tu dois assumer tes responsabilités. Lorsqu'on veut bâtir un projet autour de toi, tu dois assumer tes responsabilités. Et là, Kylian ne l'a pas fait. Donc, pour moi, les amis, Kylian Mbappé, il a encore des progrès à faire. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.